la gare d'Orsay, devenue celle de l'espoir, répond à l'appel de l'abbé Pierre. Elle se fait généreuse, ouverte. Elle accueille et remet dans le mouvement de la vie tous ceux que l'hiver et la pauvreté ont isolés. Les valises se chargent de vêtements chauds, de couvertures, mais il n'est plus question de voyage. La fabuleuse machine à voyager de l'exposition universelle n'est que l'ombre d'elle-même. Ses grandes lignes coupées, elle ne garde dans ses sous-sols qu'une station de train de banlieue. La gare et son hôtel sont en sursis, en attente du verdict qui peut-être leur sera fatal. On parle d'un projet grandiose et futuriste, un hôtel de luxe avec vue sur la Seine, 1000 chambres, un vaisseau de béton déjà esquissé par Le Corbusier. Mais Orsay s'accroche, résiste autant qu'elle le peut, fidèle à ce qu'elle est dans la profondeur de son histoire. Sa voûte ne résonne plus des appels aux voyageurs, mais sous le chapiteau de fortune de la compagnie Renaud Barreau, c'est par la magie du théâtre qu'Orsay entre en résistance. Il y avait du nouveau en fabriquant ce théâtre d'Orsay, c'est que nous le fabriquions entièrement. N'est-ce pas ? Nous n'étions pas chez les autres, nous étions chez nous et nous fabriquions notre théâtre. Et le fait que ce soit une gare ne nous gêne pas, parce que chaque représentation est un voyage. À heure fixe, nous partons tous les soirs, on appareille, on voyage et pendant 2h30, on entraîne les publics à un voyage dans l'imagination et dans le rêve. En 1973, Georges Pompidou, président de la République, s'engage à ce que la gare et son hôtel ne soient pas détruits. Un an plus tard, son successeur, le président Valéry Giscard d'Estaing, inscrit Orsay au monument historique. Le bâtiment est sauvé, et l'idée d'un musée du 19e siècle peut enfin prendre racine dans cette architecture de pierre et de fer. Je suis venu ici, alors évidemment ça vous paraît bizarre, mais c'était complètement vide, avec une espèce d'odeur humide, un ciment, une odeur de ciment de gare partant de tuile. Hein. Donc une atmosphère tout à fait étrange. Hein. Et on avait collé au mur, dans la salle qui est là-haut, les différents plans. Et finalement, c'est le projet d'un architecte qui s'appelle Kolbok, ils étaient trois en fait, qui dominait le lot, et c'est le projet qui a été retenu. Mais c'était un projet de rénovation de l'architecture. On ne changeait pas l'architecture, on gardait absolument les façades extérieures, et à l'intérieur, on gérait les espaces, mais on ne changeait pas la nature du bâtiment. Proposer une architecture qui, tout en étant contemporaine dans son vocabulaire et ses matériaux, se glisse à l'intérieur de la gare, soit une espèce de prolongement presque naturel de la création de la Loue. Et c'est ce projet qui a été mis en œuvre et qui a été donc décidé à ce moment-là, en 79. Il n'y avait pas de décor pour l'intérieur. Et je vais à un conseil européen à Venise. Et le soir, la municipalité de Venise et le gouvernement italien, le premier ministre s'appelait M. Cossiga, nous reçoivent à dîner dans un palais vénitien avec un très beau décor. Alors en sortant, je dis à Cossiga, mais enfin c'est super, qu'est-ce qui a fait ça ? Il me dit, écoutez, c'est une décoratrice italienne qui est assez connue, qui travaille à Milan et à Venise. Je dis, bon, comment s'appelle-t-elle ? Il dit, s'appelle Valmo Lenti. Donc l'origine de l'architecture intérieure, c'est un dîner à Venise, là, et le choix d'une personne inconnue en France, en fait. On a plutôt travaillé à créer les différences entre un espace et l'autre, plutôt que les mettre tous dans le même niveau architectural, etc. Parce que je crois qu'un musée, quand il est grand comme le musée d'Orsay, on doit donner aux visiteurs l'énergie de les visiter. Et c'est à travers la découverte de l'espace et des œuvres ensemble qu'on peut avoir cette énergie. D'abord, je trouve que son approche a été très intéressante. Et je ne voulais pas que ce soit trop pharaonique. Alors j'ai dit au ministre de la Culture, j'ai dit, écoute, essayez de dire que Lenti, il ne faut pas que ce soit trop massif, qu'il faut que ça reste même, pas une légèreté, mais enfin un tout petit peu. Alors, il m'a dit, écoutez, c'est très difficile parce que c'est très déterminé. Je ne suis pas sûr que ça ferait changer d'avis. Il m'a dit, il ne faut pas changer complètement, mais simplement, peut-être, mettre un peu plus
mouvement, légèreté dans les volumes, ce qu'elle a fait. En Italie, il n'y a pas les mots aménagement, vous savez. On parle d'architecture intérieure. Et c'est de cette façon que nous avons commencé à collaborer avec les architectes. Et ça, évidemment, donne certaines ambiguïtés. Parce qu'ici, nous sommes dans un intérieur dans lequel il faut travailler à l'intérieur de l'intérieur. Mais la dimension de tout ça, c'est une dimension extérieure, où se fermer, où s'arrêter à l'intérieur et à l'extérieur. On est là dans la galerie de l'impressionnisme, enfin d'épanouissement de l'impressionnisme. On est en plein 74, 80, Renoir, Monet, Sisley, Pissarro, un peu ce qui est à l'exposition actuellement du paysage impressionniste. Ici, là-bas, vous aurez le Moulin de la Galette, on sait déjà où il sera. Et aussitôt après, il y aura Renoir, Monet, Degas. Donc ce sera... Van Gogh, Cézanne. Et Van Gogh, Cézanne jusqu'au bout. Ah, c'était la première fois même que moi, j'ai affronté un thème comme ça. Mais l'espace, on peut toujours l'étudier en façon géométrique, géographique, c'est-à-dire où l'histoire vient à se mettre un peu à côté pour comprendre vraiment. Alors, les axes, les axes de symétrie, les axes de pas symétrie, les orthogonales, tout ça a commencé à donner une espèce de grille qui justifiait les monuments. On disait, oui, il est là, il est fondé sur la terre. Et la différence entre une gare et un musée, c'est elle que c'est très difficile de comparer. Parce que la gare, les visiteurs entrent et partent, ça ne reste pas. Le musée, le contraire, le visiteur doit rester, doit comprendre les œuvres d'art, doit se promener, il faut reculer peut-être, retourner, faire tout une visite avec la tête et pas simplement avec l'énergie du corps. Et alors là, la différence, c'était fondamentale. Il y avait cette notion d'espace et de temps. C'est-à-dire, tous les dessins se réglaient sur la réalité de la gare.